Aujourd'hui, on vous amène à Saint-Étienne. Et quand tu penses à Saint-Étienne, ouais, parce qu'il dit Saint-Étienne ici. Tu penses à des femmes de foot sous un ciel gris au milieu d'une cité dortoir. Alors qu'en fait, la ville est carrément classée UNESCO de design. Et c'est la seule de France. Alors autant te dire que tu te régales niveau architecture et urbanisme, surtout dans le centre-ville. Ça, c'est ultra design. Ça, c'est pas un bon design. Ça, c'est un bon design. Design, design, design. Ça, c'est pas design. Ah, par contre, derrière, ça, c'est vraiment design. Et en plus, ils ont réhabilité plein de lieux sympas à visiter. La belle fougère. Bon, on va pas te le cacher, le foot est quand même bien présent. L'association sportive de Saint-Étienne, l'ASSE, plus qu'un club de football, une légende. Les Verts, dans le cœur des Stéphanois. Mais bien sûr, personne n'a oublié la tragique histoire des poteaux carrés qui leur fit perdre la Coupe d'Europe en 1976. Et qui dit but sportif dit forcément troisième mi-temps. On a bien fait la fête à Saint-Étienne. Il n'y a pas que du foot ici, hein. Il y a une vie aussi après les Verts. Vous avez dit quoi? Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de festivals, d'événements tout au long de l'année. Et après l'effort, le réconfort. Le centre-ville est vraiment super sympa pour faire du shopping, notamment dans les concept stores. Et les boutiques pour le chocolat. Sans oublier de tester les râpés au resto. Et découvrir les nombreux kebabs. J'adore. T'as aussi la nature et même des plages à portée de voiture, avec notamment les gorges de la Loire qui sont pas loin. Mais arrêtez de me suivre! Vous l'aurez compris, pour les amoureux de design et de grands espaces, et de foot, allez les Verts! Saint-Étienne est vraiment une ville sympa à visiter et on espère vous avoir donné envie de venir ici. Bisous de nous !